Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler enfin d'Emmanuel Macron. Alors on peut absolument toujours pas parler de son programme puisqu'il sort le 2 mars et qu'il n'en sort que des bribes souvent incohérentes entre elles, mais on peut se demander qui il est. Qui est ce type? Alors beaucoup de gens ont entendu parler de son passage par la banque Rothschild, certains ont entendu parler de l'ENA, mais nous on avait envie de rentrer en profondeur dans ce qu'était son parcours. Comment ça se fait qu'un jeune, peut-être brillant, se retrouve si haut, si vite? Par quels espaces est-il passé? Qui a-t-il rencontré pour avoir le parcours brillant qu'il en fait un favori à l'élection à la présidentielle à seulement 39 ans et sans aucun parti politique? Bon bah alors, le parcours d'Emmanuel Macron commence à l'ENA. C'est l'école nationale d'administration qui forme les élites françaises. À l'ENA, il a la chance de sortir tout en haut et d'entrer à l'inspection des finances. L'inspection des finances, c'est un des corps les plus prestigieux de l'ENA. Et là-bas, il se retrouve couvé par Jean-Pierre Jouyet, qui est le chef des inspecteurs des finances et qui a Macron à la bonne. Jean-Pierre Jouyet, c'est un type qui était de toutes les alternances depuis les années 90. Il était au cabinet de Delors pour piloter la mise en œuvre du traité de Maastricht, il a été au cabinet de Jospin pour piloter l'entrée de la France dans l'euro, il a été ministre des Affaires européennes sous Sarkozy pour bien négocier les déficits budgétaires, la crise, tout ça, et il a fini par être secrétaire général de l'Elysée à la fin de la présidence de François Hollande. Donc c'est un mec qui est central dans tous les réseaux de pouvoir, qui a accueilli Macron et qui l'a formé. Alors ce mec-là, qui est partout dans tous les gouvernements politiques depuis 20 ans, il a envoyé ce jeune inspecteur des finances, qui avait rien de particulier par rapport aux autres, dans la commission Attali. La commission Attali, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'a nommé Sarko en 2008 pour réunir tous les grands patrons du CAC 40, toutes les têtes pensantes de l'économie bien intégrée, et formuler des recommandations de politique économique. Et Emmanuel Macron, il se retrouve rapporteur de cette commission. Et donc il a rencontré plein de monde. C'est là qu'il a rencontré Serge Weinberg, qu'il a fait entrer à la banque Rothschild. C'est aussi là qu'il a rencontré le PDG de Nestlé. Et c'est avec Nestlé que, à la banque Rothschild, Emmanuel Macron a réalisé sa plus grande opération de fusion-acquisition. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Donc on voit que ce passage de Jouyet à Attali, qui a amené Macron à la commission Attali, bah, ça a permis à Macron de se faire un solide réseau dans la place financière française, de prendre ses galons de politique économique, parce que, évidemment, la commission Attali, elle a recommandé tous les trucs que recommande la Commission européenne et tous les éléments de politique économique mis en place depuis des années, moins en moins de fonctionnaires, on recule indéfiniment l'âge à la retraite, on casse le code du travail, on baisse les dépenses publiques. Et ces recommandations, en plus des éternelles baisses de charges sociales, bah, la Commission Attali, dans son rapport, elle voulait pas que ce soit mis en place pour un an, deux ans ou un quinquennat. Non, tenez-vous bien, je vous le lis là. Elles devront être poursuivies avec ténacité pendant plusieurs mandats et quelles que soient les majorités. Donc chapeau les gars, on voit que si on vote, si le peuple vote comme ci ou comme ça, ça change rien du tout. Les experts n'en ont rien à foutre, ils veulent que ce soit la même politique, toujours, tout le temps, pour l'éternité. Ça, c'était sous Sarkozy. Parce qu'après son passage brillant, d'ailleurs, à la banque d'affaires Rothschild, eh ben, il y a Hollande qui est arrivé à la présidence. Et là, Jean-Pierre Jouyet, grand ami de François Hollande, et Jacques Attali se sont rappelés que le brave Emmanuel pouvait être un super candidat pour assister le président Hollande. Et donc, Hollande l'a nommé secrétaire général adjoint de l'Elysée. Alors, ce poste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a accompagné, mis en œuvre et façonné énormément de mesures de politique économique du début du quinquennat de Hollande. C'est par exemple lui qui a fait le CICE, le crédit d'impôt de plusieurs dizaines de milliards d'euros sans contrepartie aux entreprises. C'est aussi lui qui a fait le pacte de responsabilité. Et Macron, au secrétariat général de l'Elysée, il se contentait pas simplement des mesures économiques. Il accompagnait aussi Hollande dans toutes les négos européennes. Donc Hollande, il avait bien confiance en lui, il avait tout bien fait, le brave Emmanuel. Et donc, quand Montebourg s'est fait virer, là, en août 2014, du ministère de l'économie, et ben Hollande a propulsé le jeune énarque directement à Bercy, ministre de l'économie à 36 ans. Chapeau l'artiste. Quand on voit son parcours en détail, on comprend mieux comment il a pu monter si vite et si haut en dehors de tous les partis. Ce qu'on comprend, c'est que le pouvoir, il est pas toujours là où on nous le montre. On nous montre que les jeux de pouvoir se jouent dans les primaires, dans les congrès politiques, des partis politiques, et que les débats à l'intérieur de l'UMP ou du PS règlent la question du pouvoir en France. Mais il y a un pouvoir qu'on nous montre pas. C'est le pouvoir des conseillers, des experts, de l'administration non élus, parce que ces gens-là, ils gravitent autour des dirigeants politiques, de droite ou de gauche, hein, quelles que soient les majorités, et ils leur proposent à chaque fois les mêmes politiques, les mêmes recommandations de politique économique. Et ce pouvoir des coulisses, ce pouvoir caché qu'on nous montre pas, eh ben Emmanuel Macron, il le connaît très bien, il en est directement issu. Il est allé directement dans les instances du pouvoir, là où ça compte, à l'inspection des finances, au secrétariat de l'Elysée, dans toutes les commissions où s'élaborent les politiques économiques, via les deux mentors, Jouyet et Attali, et donc il a squeezé
utiliser la case élection parti politique. Et c'est ça qui fait sa force. C'est que comme on l'a pas vu tremper dans mille magouilles, comme on voit sa gueule à la télé uniquement depuis 3 ans, eh ben on peut construire une image complètement nouvelle, fraîche, de renouveau, alors qu'il n'y a pas plus insider, qu'il n'y a pas plus coutumier du vrai pouvoir, le vrai pouvoir technocratique, qu'Emmanuel Macron. C'était en somme le candidat idéal pour nous arnaquer à cette élection présidentielle. Nous, il nous reste qu'un seul moyen pour lutter contre cette arnaque, c'est de faire passer le message pour lutter contre cette supercherie. Puis bon, on se revoit vite pour dégonfler son programme, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup à dire. Ciao les copains!